Et pas ici, vous avez Metropolis, le célèbre film allemand Metropolis. Ceci, c'est l'automate. En fait, l'automate, c'était une carapace dans laquelle l'actrice Brigitte Helm s'enfermait. Elle faisait l'automate. Mais évidemment, de même qu'il y a des doublures qui s'assoient pendant la période où on fait les éclairages, quand l'automate ne bougeait pas, on avait construit un autre automate, enfin, un faux automate, qui était une statue qui ne bougeait pas, qui avançait, ce qui évitait à cette femme d'être tout le temps dans sa carapace. This humanoid robot was one of the most striking inventions of the film Metropolis, directed by Fritz Lang in 1927. In fact, it was the stifling wooden suit of armor worn by actress Brigitte Helm. Walter Schulze-Mittendorf, who'd conceived it for the film, made another version for the Cinémathèque Française, the one without joints, which you see here.
Thank you.